L'Expo de Saint-Louis, c'est l'exposition Women are Heroes. C'est le projet qui nous a amenés dans les favelas au Brésil, au Cambodge, en Inde et en Afrique, notamment au Soudan, Sierra Leone, Liberia et Kenya. Et à chaque fois, c'est des regards de femmes anonymes que j'ai photographiés et qu'on a été recollés dans ces pays. Et dans des contextes souvent où l'art n'existe pas, dans des zones de conflit, dans des zones post-conflit, dans des zones où on ne s'attendrait pas à voir de l'art débarquer sur les murs. Et l'expo d'ici à Paris, c'est les photos de ces photos, ou des fois les regards aussi, tout simplement. Et c'est l'idée que ces endroits, je les ai découverts au travers des médias, à la télévision. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au Kenya à la télévision pendant les émeutes post-électorales. J'ai entendu parler de la favela Providencia parce que l'armée a tué trois jeunes il y a 1 an et quelques. Et ça m'a donné envie d'aller voir par moi-même, avoir un autre regard que celui des médias. Et quoi de plus normal que de revenir dans mon propre pays, recoller ces photos et les faire voyager et montrer cet autre regard, qui n'est qu'un autre regard finalement que celui des médias. Le pacte que je fais avec les gens que je photographie, c'est que je ferai voyager leur histoire. Quand tu passes sur les quais ici et que tu vois ces grandes photos, tu as envie de te dire, ok, qui sont ces regards qui d'un coup se braquent sur nous? Les gens qu'on a l'habitude de voir nous à travers les médias et d'un coup qui se mettent à nous regarder. Et tu as plusieurs possibilités pour découvrir. Tu as sur Internet, tu as un audio guide avec ton téléphone. Si tu te balades près de l'expo, tu peux appeler un numéro et écouter l'histoire des femmes. Tu as une exposition qui est juste à côté au pavillon de l'Arsenal, où tu peux rentrer, voir des vidéos et découvrir les histoires. Tu as un livre, il y aura un film bientôt. Tu as vraiment tout plein de clés pour comprendre et découvrir ces actions. Parce qu'elles sont bien plus intéressantes que la photo. Quand tu vois la photo de la favela, c'est effectivement la photo finale du projet. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, comment ça s'est fait, qui nous a laissé faire, pourquoi ces femmes ont accepté. Ça, c'est en fait ce qui constitue l'œuvre. Et souvent, je n'ai pas la possibilité de le montrer. Je suis obligé de monter des expositions aussi grandes pour pouvoir expliquer des choses aussi simples. C'est purement artistique de A à Z, puisqu'il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de message engagé derrière. Forcément, c'est engageant, puisque les gens qui parlent ensuite derrière ces projets, les endroits où on va, sont des endroits qui t'engagent dans quelque chose. Mais je ne te dis pas qu'au Proche-Orient, il faudrait que le mur soit plus grand ou plus petit. Je ne te dis pas ce qu'il faudrait changer. Je ne suis pas le porte-parole de tous ces endroits-là. Quand je fais des actions dans les pays, j'apparais pas du tout. C'est-à-dire que je cherche à créer un pont entre les médias et ces gens. Donc à partir du moment où j'ai monté l'action, je disparais. Et comme les médias cherchent à interviewer l'artiste et que les seules personnes qui peuvent interviewer, c'est les gens sur les photos, ils se retrouvent avec les gens sur les photos. Ici, je suis à Paris, je me retrouve avec la responsabilité d'expliquer ce que je fais. Mais aujourd'hui, il y a une des femmes de la favela qu'on a fait venir et qui sera là pendant l'expo. Et elle a déjà commencé à prendre le relais parce que forcément, elle a des choses souvent même plus intéressantes à dire que moi. Parce que son narratif, elle est construite pas sur la même cadre de référence que moi, qui est purement artistique, mais sur son cadre de référence de vie, son cadre de référence d'expérience. Pourquoi elle a fait ça? Quel est son intérêt? Je trouve que ça est beaucoup plus intéressant finalement que ma démarche, qui se résume assez simplement. Il y a une grosse partie art participatif derrière, ou aussi bien dans les pays. Dans la favela ou au Kenya ou ailleurs, où tu es obligé d'impliquer les gens parce qu'on n'est pas assez nombreux et c'est des grands collages. Et tu impliques la communauté. Donc si elle n'y voit pas elle, son propre intérêt, personne ne va venir t'aider et même personne ne va te laisser coller. Et pour Paris, c'est un peu pareil. À un moment, on s'est rendu compte que si c'était que nous, c'est-à-dire on est 10 ou 15 à partir un peu aux quatre coins du monde, on n'y arriverait jamais. Et on a commencé à faire du bouche à oreille et on s'est vite retrouvé avec 50 à 60 personnes par jour, des bénévoles qui sont venus aider à monter l'expo parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Et c'est vraiment toute l'idée derrière ce projet. C'est pour ça que je reste anonyme aussi derrière, puisque finalement, ça ne pourrait pas être moi tout seul qui fait tout ça, à part faire les photos, être l'intermédiaire, monter les projets. On est vraiment toute une équipe et des gens qui chaque jour viennent aider. Tu vois, je pense que le plus fort dans ces projets, c'est que ça fédère les gens, puisqu'il y a un message plus fort que le simple fait de monter mon exposition. Et parce qu'après, elle ne m'appartient plus. Elle est là, elle est dans la ville et elle appartient aux gens, aussi bien dans les pays qu'ici, où elle se dégradera avec le temps. Quand on a collé sur la favela, on a eu ce même problème où d'un coup il y a eu une grosse tempête, du vent et la moitié est partie, on a dû recoller. Mais l'important c'est que même quand elles disparaissent, elles te restent imprégnées dans la tête. D'un coup tu verras plus ce pont de la même manière, tu verras plus l'île de la même manière, parce que tu verras à mon avis encore ces regards au travers. Il y a des choses, des images qui restent, même si les affiches s'en vont, les images restent.